Samedi matin, il est 8h30 passées, je crois. Donc David est parti emmener Tiffany à son dernier jour de stage et pour vous dire, elle a eu son CAP, donc on est super contents, on est fiers. Bravo ma fille. Donc voilà, on va fêter ça, je pense, dans la semaine ou demain, je sais pas, on verra. Donc voilà, pour vous dire qu'il fait super beau. Donc voilà, hein, c'est cool. Aujourd'hui, je sais pas. Ce soir, on est invité, donc voilà. Et hier, on a passé la journée avec Nadia, c'est super cool. Elle nous a montré des petits coins pas mal. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va être journée piscine. Ça va faire du bien parce qu'il fait bien beau hein, quand même. Il n'y a pas de nuages. Le petit soleil. Donc voilà. Je sais pas si Frangin vient faire sa voiture. Nous, la Mégane, elle est en panne, embrayage. Elle a buté l'embrayage, donc on ne peut pas s'en servir. Ça continue les voitures comme d'hab. Ou sinon, voilà, pas grand-chose. J'ai les arbres à papillons qui commencent à fleurir. C'est des blancs, moi, que j'ai. Je sais pas si vous connaissez. C'est des arbres comme ça, là. Et les papillons, ils adorent ça. C'est pour ça qu'on appelle ça des arbres à papillons. Ah, il va faire super beau aujourd'hui encore. Hein. On va en profiter. Je sais pas si vous, cette année, mais les rosiers, ils sont magnifiques. Je sais pas si c'est le fait qu'il a plu, là. Donc, et ça là, vous savez, c'est les lys que j'ai acheté l'année dernière dans les trucs Action. Et voilà, cette année, ils sont super. Ils sont belles, hein. Franchement, voilà, elles sont bien hautes en plus. Bon, là, elles sont un peu dévorées, je sais pas par quoi. Là. Les chenilles, à mon avis. Là, je peux mettre, je sais pas ce que je vais mettre dessus, mais. Ouais, là, je regarde ça. Donc il y a l'arbre là, vous voyez le grand arbre là. Il faut que j'essaye de le faire tailler cette année hein, pour qu'on puisse. Parce qu'on a des panneaux solaires au-dessus du toit. Et la journée, le matin, vous voyez, c'est bon. Mais en fin de journée, l'arbre il cache tous les panneaux et il n'y a que la moitié qui fonctionne. Donc il faut que je puisse le faire tailler. Et puis il a besoin parce qu'il tombe vachement vers le bas là. Regardez. Nous on le taille au fur et à mesure, mais bon, là, il a besoin d'une bonne coupe là et c'est pas donné. Donc voilà. Je taille aussi mes vignes, bon ça je vais faire moi-même, hein, c'est pas très bien. Ça pousse, hein. Elle est en train de tomber, elle est tombée avec l'autre fois là. Puis il y a des petits raisins dessus là. Vous voyez là? Il y a le raisin qui pousse dessus, donc voilà. Faut que je la taille un petit peu. En espérant qu'elle chope pas le mildiou parce que avec le. Quand il pleut trop, bah, ça va vite. Ça arrive vite, ça. C'est ça qui est dommage. Donc voilà. Ah ouais, il fait super beau, ça fait du bien, je suis en vacances, ça va faire du bien. On va peut-être partir une journée en Normandie, je crois, à Trouville ou un truc comme ça, grâce à Nadia qui nous a montré un peu la route. Et je pense qu'on va partir peut-être dimanche ou lundi, je sais pas, on va voir. Donc on vous tient au courant de toute façon. Et je pense qu'on fera un direct peut-être dimanche soir pour vous montrer. Mais bon, vous verrez pas le vlog parce que je suis en retard de 3 ou 4 vlogs. Donc j'essaye de me rattraper cette semaine pour vous mettre ça et on sera à jour avant que je reprenne le travail. Donc voilà, ah j'ai mon catalpaque en fleurs là-bas, je vais vous montrer, ça c'est trop beau. J'en avais chez mon beau-père où on habitait avant. Ah je vois lui le pont là. Il en avait un gros et du coup maman, elle en a fait des pousses. Eh j'ai les framboises qui sont arrivées. Regarde, elles sont déjà en train de. Et il y a Nana qui me les mange là, tellement elles sont lourdes, elles tombent. J'ai les cassis aussi qui sont arrivés. C'est mouillé l'herbe. Ah mais ouais, faut que je regarde. Vous voyez, ils sont là les cassis. Ils sont pas tous mûrs encore, donc c'est un peu chiant. Voilà, j'ai un peu tout, des orties tout dedans. Et kiwi aussi. Ah je sais pas si. Ah j'ai oublié de vous montrer quand il fait ses fleurs. Mince. Je crois qu'il est plus en fleurs là. Si j'en trouvais, ce serait bien, mais je crois que c'est un peu tard maintenant. Donc mon kiwi il est comme ça. Ah il y a des petits kiwis dessus, je vais vous montrer. Il est trop mignon. Regardez, c'est là, vous les voyez là. Vous voyez? Les petits kiwis. Ah, les fleurs, elles sont déjà passées. Ça fait des grosses fleurs blanches là. Un peu comme des mille-pertuis. Quoi? Dehors? Bon, je vous montre. Ouais? Ouais? Tu sors pas les chiens?
Le portail est ouvert. J'ai pas envie qu'ils sortent dehors. C'est mouillé l'herbe là. Mais attends, il y a encore la rosée ici, hein. Je vous le dis, hein. Donc voilà le catalpa. Ah ouais, ici il faut que je fasse une bonne coupe de taille parce que c'est super foncé. Donc voilà. Je sais pas si on va voir là, on ne voit pas. J'ai les groseilles aussi là. Il faut que je les ramasse aussi. Ça passe vite. Donc le catalpa. Ah, vous voyez les fleurs là? Ah, je peux pas dans ce sens là. Donc voilà, elle fait des grosses fleurs blanches là, c'est super magnifique ça. Franchement. Elle est beau là, elle commence à bien. Vous voyez là les arbres derrière là? Ils sont là, tout là-haut là, ceux-là là, faut que je les taille. Ça c'est les pruniers, les prunes de Nancy. Et derrière catalpa là, ceux-là là, faut que je les taille. Je les taille chaque année, mais là cette année dernière on a oublié. Et bon, c'est des arbres qu'on a plantés pour qu'on puisse les couper pour récupérer en bois ça. Eh ouais, on recycle. Donc ça fait, ouais, ça fait quand même 15 ans, on va dire 10 ans qu'ils sont là. C'est long un arbre. Là c'est le noisetier. Le noyer, pardon, excusez-moi. Les noisetiers sont là-bas. Là c'est des petites cerises, mais elle fait vraiment des petites cerises pour l'eau de vie, on va dire, je pense. C'est dommage parce que c'est pas ça que je voulais à la base. Et je me demande si je vais pas le tailler. Il n'y a rien du tout cette année dessus en plus. Je sais pas comment ça se fait. Peut-être les moineaux. Les moineaux, ils ont dû les manger, je pense. Ah ouais, si, il y en a là dessus. Elles sont bien noires. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait des toutes petites cerises. Voilà, ça fait ça, des petites cerises comme ça. Je sais pas si je vous montre. Voilà. Franchement, c'est dommage, hein. Elles sont un petit peu acides. Et puis j'ai figué. C'est des figues dessus. Ouais. C'est des figues blanches. Là j'en ai une, deux, ouais, peut-être peut-être une dizaine dessus. Vous voyez. Ouais, peut-être une dizaine dessus. Donc là, tu sais que ça brûle les feuilles de figues. Je sais pas. On verra bien. Donc on a toute la taille à faire des sapins, hein. Vous voyez là? Tout ça là, les sapins à tailler. Donc, mais je crois qu'on va les enlever directement. Ça m'embête parce que j'ai pas envie de voir les voisins à côté. Donc je sais pas, je pense qu'on va tailler un plus sec et un bon coup. Et on verra bien. Il va falloir retourner encore. Voilà, un petit tour du jardin le matin. Oh, je ramasse les, faut que je ramasse les framboises. Elles tombent par terre. De faire un gâteau, une couverture, je suis pas sûre. J'ai peut-être passé parce qu'elles sont pas terribles. Il fait trop chaud, je crois que cette année elles sont pas jojo jojo. Oh, je vous montre la piscine. Là j'étais un filtre tout à l'heure, on a réussi à la récupérer. Bon, il y a un peu de cochonnerie au fond, bah, c'est ça, la piscine de toute façon. C'est de l'entretien. Oh, la bouée que Alexis me laisse tout dehors. Et puis cette aussi. Du coup, on voulait. Je vous montre l'autre côté. Du coup, on voulait débarrasser là pour mettre le spa là. Parce que dans la véranda, ben, on peut pas. Il y a les petits. Quand il fait pas trop chaud, on les met dedans. Donc, on a fait la petite cabane pour eux. Et du coup, on peut pas le remettre dans la véranda cette année. Donc, on voulait le mettre là, mais bon, faut qu'on débarrasse le sable et tout là. C'est galère. Donc, je pense que. Je sais pas, on verra. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est super beau. Pas un nuage, il n'y a pas de vent par contre, je pense qu'il va faire chaud cet après-midi. Donc voilà. Ah, vous voyez la vigne comment ça pousse? Là, faut que je les taille. Je la taille pour qu'elle puisse. Le... Je sais même pas s'il y a du raisin dessus. Ça, c'est du noir et l'autre, c'est du blanc. Ah, si, il y en a un petit peu. Pas grand chose. Il y en a un petit peu. Alors, faut que je les taille. Le raisin grossisse, c'est de la menthe qu'on peut manger, hein. C'est de la vraie, hein. Ça sent trop bon ça. Bon allez, je vous laisse là, je vous dis à tout à l'heure et gros bisous et bonne journée. Pour une cliente, donc voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le trouve magnifique. Il fait 50 cm, voilà, avec des perles et tout, des plumes, des rubans de multicouleurs. Donc voilà, des petits papillons. Voilà. Donc voilà, il est fini et je suis contente. Donc on est dimanche et voilà, on a décidé de sortir les petits chiots parce qu'il fait pas trop chaud ni trop froid, donc voilà. Il se balade et fais gaffe Alexis, mange un petit bout de bois. Ah non, ça y est, il est parti. Laisse-le, 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 laisse-le. Donc ils sont avec maman un petit peu là. Ça pleure tout le temps. Il y en a un tout le temps qui pleure. Pose-le Alexis, s'il te plaît. Pose-le avec maman là-bas. Ils ont bien poussé là, oh là, ça y est, ils ont un mois là. Un mois et ça pousse. Ça c'est le lait là. Ils en mettent partout. Hein. Non, c'est le marron qui se baigne dans le lait. Doucement Alexis. Tu vas trop vite Alexis. Tu vas leur faire peur. Et un peu tard, il n'a pas envie de boire. Alors, il y en a qui vont avoir les yeux bleus, d'autres qui vont avoir les yeux marrons et bleus, et d'autres qui vont avoir les yeux marrons, je pense, ou noirs. Donc ça pousse bien. Là, c'est papa, Diego. Il ressemble pas à Diego, hein? Il ressemble pas du tout à Diego, je trouve. Et les yeux bleus, lui. Ouais, comme l'autre. Les petites bouilles. Là, il a des yeux marrons. C'est des patates, les trucs. Mais comme des monsieur saucisses. Elles ont bien poussé, elles ont un mois, ça se voit là. Ah, il va avoir des... oh, il va avoir des yeux, lui. Je sais pas. Ah ouais, elle en voit. Il a un œil bleu et un œil marron. Non, il a des yeux bleus. Attends, j'ai deux métros. Ah non, mais je crois pas qu'il y ait deux, maman. Bah, ah si, si. Deux yeux bleus, oh, rigole. Oh là là, il va être trop beau, il a fait un clin d'œil en plus. C'est une femelle. Là, on va mettre les petits colliers dans peu de temps, là j'ai acheté des petits colliers. Du coup, si tu l'as stressée, chérie, elle bouge plus. Laisse-la. Laisse-le, laisse-le, laisse-la, je veux dire. Laisse ouvert comme ça, Alexis. Donc la petite maison, je l'ai prise sur Amazon, je crois. Non, sur Cdiscount. Ouais, Cdiscount. À 17 € avec les frais, ça fait 27 en gros. Et elle fait 127 de large, de diamètre. Alors, on peut la mettre en carré, en rectangle, je crois. Hein. En rectangle et en comme ça là. On peut la mettre en rectangle aussi. Tu peux la mettre carré. Elle est pliable et tout. Si, tu peux choisir comme tu veux. Et il y a un filet au-dessus, là, vous voyez. Et il y a une petite bâche au fond, là, pour on peut nettoyer. Alors, on peut enlever la bâche et puis les mettre dans l'herbe directement. Ah bon, tu crois? Ah ouais, non, c'était les autres en ferraille. Mais ça suffit pour ce qu'il y a à faire. Laisse ça à côté, Alexis. Du coup, ben, on les a sortis, du coup, c'est l'heure de la tétée. À part un qui se balade, une. Laisse-la.
Elle a pas faim, elle a ses grosses. Il peut pas s'empêcher. Il a deux yeux. Bah ouais, comme tout le monde. Toi, en fait, t'as vu, t'as remarqué. Maman, j'ai deux yeux verts. T'as les yeux marrons, toi. Papa, t'as des yeux verts. Il a le cul d'une boule, mais c'est pas possible. Et il apprend. Il a deux yeux. Bah heureusement qu'il a deux yeux. T'as bien deux yeux, deux jambes, deux pieds. Il a croisé sur quoi, là? Je crois qu'il s'est trompé de tout. Là. Ah, merci. Il n'a pas faim. Regarde, il y a un truc dans la bouche, chérie. Alexis, pose le bébé. Allez, pose. Il a un yeux marron. Un œil. Il a des yeux noirs, lui. Ouais. Regardez les deux oeufs qui sont en train de faire des snaps. Quoi? Des snaps, on n'a pas le droit. C'est interdit. Nom, 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 nom. Allez hop, Léa. Direct, Léa. Ah, nom, nom, nom. Aou. 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 Alexis, non, arrête. Coucou, on est lundi après-midi, voilà, il fait super beau. Allez, vous entendez, on est en train de tailler les sapins, donc voilà. On coupe, on coupe. Ça coupe, ça coupe. Il faut parce qu'il faut trop. Et le pire, c'est les autres là-bas. Là, c'est une catastrophe. Hein? Je sais pas. Ouais, c'est la bâche de partout, là. Pas très épais, là. Ils ont pas de lumière derrière, c'est pour ça. Oh, il y en a un qui est mort là. Oh, y a un sapin qui est mort. Super. Ouais, il y a du rangement, vous voyez. Même le fumier il est blindé. Quatrième pas qu'un fleur, le deuxième. Faire le haut. Hop. Ça sent bien poussé. Hein. C'est tout à tailler cette année encore. Là. C'est du taf de tailler. Momo. Oana. Qu'est-ce que tu manges, Oana? Ouais. Oh là, ils n'arrêtent pas de te gratouiller. Dès que vous sortez, vous gratouillez. Le potager, il est là, mais on fait plus rien. Donc. On débroussaille quand on sera décidé un jour, peut-être. On refera les fruits et légumes. Peut-être l'année prochaine. Si on part pas cette année, du coup, on devait partir. Et du coup, bah, au dernier moment, non. On a bien fait parce que du coup, il n'y a personne pour venir arroser après. C'est un peu embêtant. Mais bon. Bon, allez.
Je vous dis à tout à l'heure. On est en train de couper les sapins. Bon, il y a des grosses branches, vous voyez. Il y a encore tout ça coupé. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec le soleil. Du coup, on... parce qu'il fait pas chaud du tout, donc voilà, il fait super beau en fait, il fait pas chaud, c'est un petit peu chaud. Donc voilà, ouais, je vous disais, il fait beau, mais il y a du vent ce matin. En train de faire un gâteau au yaourt avec Alexis. Allez, touille. Non, c'est la cuillère qu'il faut que tu touilles. Allez, c'est dur, hein. Ah, c'est trop dur. Allez, dur la pâte. Oh, j'ai fini, je reprends après. Ce soir, c'est soirée. Zelda sur la Switch. Coucou, on est mercredi. Ça? C'est ça, mercredi. Mercredi, il fait beau et là on va aller faire du vélo. Oh, on va aller promener les chameaux. Je vais prendre l'autre côté. Allez. Il y a des trucs, il y a des cyclistes là. J'ai dit putain, ils avancent pas, c'est bon, ouais, ils sont à 30 km/h. J'ai dit, il manque juste un fouet en fait. Plus vite. Psh, psh, plus vite, bande de bon rien. Que de la connerie qu'il raconte. Hein. Alexis aussi va faire de vélo. Ah, on va se fendre on la va gueule. Rigoler, hein, je le dis. On va se fendre, on va se fendre de la gueule. Là. Il sait faire du vélo, mais pas une grande sortie comme ça encore. Non. Donc là, on est dans la forêt dominicale de... Je sais plus quoi. Barbonne-Fayel, ouais, mais c'est quoi la forêt ici? C'est une sommière de béton. Tu vas où, chérie, là? Je sais pas, on va là-bas, nous, d'habitude, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ouais, là, il n'y a pas de bitume, là. Si. Non. C'est pareil. Non, non. Si, c'est du béton. Oui, là-bas, oui, mais pas là. Non, mais là aussi, c'est le gravier. Gravier seulement. Bah oui. Ouais, je préfère qu'il se râpe le fromage. Là aussi, c'est du gravier. Non, non. Si, si. Ah, c'est au démarrage qu'il y avait du bitume, quoi. C'est partout pareil, hein. Non,
cochon. Du dos, chouru. Il n'y a plus de place. Je sais pas si c'est. Là, là, tu peux me mettre en dessous l'arbre. En dessous les arbres, allez. Regarde, bitume. Ouais, hein, du bitume. J'espère qu'il n'y a pas de fossé, ouais. Bon, non, il y a une voiture qui est passée là. Stop. Pas avancer un petit peu. Bah, il y a un urbex là, t'as vu? Il y a un urbex, Tiff, là, ouais. On est con. Je montre, franchement. Il n'y a personne dedans. La maison est finie. C'est peut-être une maison de ferme. C'est quoi? Je suis curieux, je vais aller jeter un. Ah non, pas maintenant. Si, si, là. Celle de derrière, peut-être. Ouais. Pardon, donc, on va faire du vélo aujourd'hui, pas de l'urbex. Donc ils reviendront au pire. Hein. Ah ouais, ouais. Dans, hey, dans la nuit, Atif. Non mais il faut me dire au revoir avant. Ici. Vous êtes ici. Vous êtes ici. Vous êtes ici. Sentier, l'épicéa et tous les arbres. Maison. Fauve. Vestiaire. Vestiaire. Il fait super beau aujourd'hui. Hein. Allez, viens par là, Alexis, c'est super calme. D'accord. Pas un chat. Ah, si, il y a des gens. Le cerf. Il faut cher. Nos vélos, ils sont dégueulasses, hein, Morgane. C'est la dernière fois qu'on s'en est servi, il pleuvait. Ouais. Bon, allez, à tout à l'heure. On est reparti, allez. Il y a trop. C'est pas évident de filmer en même temps que le vélo. Hein. J'ai pété la selle. On peut le faire. C'est ça d'avoir un gros cul. Ouais, c'est clair. Qui t'a pété la selle? Non, non, c'est maman. Ta mère a un gros cul, c'est tout. Oh, il fait chaud là. Il faut qu'il fasse plus de vélo avec qu'il pète la selle. Je te l'avais dit qu'elle allait péter, je m'en doutais. C'est pas normal qu'elle bouche en avant et en arrière comme ça. Je sais pas ce que t'as fait avec ta selle, moi. Bah rien. Bah, la preuve. J'ai rien fait du tout. Par contre, on se fait piquer par les thons. Hein. C'est une malaise, c'est une misère. Hein? Toi aussi, non? Oui, en dessous les fringues. En dessous les fringues, toi? Oui, oui. Ouais, je l'ai prévenu tout à l'heure, tu es en train de te faire pomper. J'en ai un au niveau du cul, deux au niveau des cuisses, c'est nickel, j'adore. Tranquille, hein. On se fait bouffer, hein, la forêt. Vous allez bien? Bah nous il fait moche. Ouais. Il fait moche. Il fait 21 degrés mais il fait moche. Il a plu un petit peu ce matin. Ouais, les droits d'auteur. Oh, on va se faire engueuler. Je ne conduis pas aujourd'hui, madame n'a pas voulu. Non, non, j'en ai marre, tu conduis tout le temps, gna 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 gna. Tu sais, elle fait ses gamines. Ah, vous avez l'habitude avec elle. Regarde, tu le fais même. Eh, moi je serais déjà loin. C'est bien cher. Voilà, ça c'est ma femme. Ça trempe, hein. Ça tremble, ouais, bah, je suis désolé, j'ai pas de stabilisateur, ça coûte une blinde. Et donc aujourd'hui, on va aller voir quelqu'un qu'on adore, je précise, elle va se reconnaître, elle va voir un youtubeur.
Bon, il y en a surtout une qui n'a pas arrêté de me questionner. Elle devrait se reconnaître plus que bien même. Hein, Miss Valou. Donc, elle est impatiente de nous voir. Et nous aussi, hein, nous aussi, je vous rassure. Hein. C'est parce que je regarde la route en même temps. Parce qu'il y a des bosses partout chez nous, c'est une catastrophe. Vive les comment dire, les routes de la campagne. Nationale. National 4, c'est une catastrophe. Enfin bref. Et que dire de plus? Et on en a marre des bêtes d'orage. Je sais pas si vous connaissez par chez vous les toutes petites micro-bébêtes là, noires qui viennent sur votre peau, qui vous chatouillent, qui vous gratouillent, qui vous saoulent. C'est bien, ils ont bouché le trou. Ils ont fait un effort. Tu devrais prendre la main parce qu'ils tremblent beaucoup. Là, c'est pas grave. Ben les gens ils auront la tremblote, oh, c'est pas grave. Oh. J'ai voulu. Hey, j'ai installé le truc là parce que vous savez, je vous en parle à chaque fois, il faut que je le mette dans ma Mégane, il faut que je le mette dans le S-Max, peu importe. Et il fallait que je l'installe. Ben là je l'ai mis là, mais malheureusement, ben, vous voyez, sans stabilisateur, ça fait ça. Oui, regardez pas mes doigts. J'ai les doigts défoncés, j'arrive pas à les guérir, c'est merde, ça me saoule, j'ai beau me mettre du mercurochrome. Pff, ça fait rien de plus. Stabilisateur, c'est juste parce que la truc elle bouge. La patte, ben, pourtant je l'ai serré, hein, je peux pas. Non mais un stabilisateur, c'est un truc spécial. Si tu veux, tu as toutes les vibrations sur la tige, mais tu l'auras pas sur. Comment dire, ça va pas se répercuter de là, niveau y a de l'appareil. Moins de vibrations, je trouve. Il y a moins de ouais, je pense aussi. Enfin, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. Je vais parler de ce qui va se passer aujourd'hui. Mais pose et remets-le en bas, c'est mieux. Elle me fatigue là, en plus. Trop bouger, les gens, elle me fatigue. Est-ce que vous voulez que je lui mette une fessée? Non. Bon, c'est pas grave. Ouais, je vous mets un petit peu plus bas. Allez, à tout de suite. J'ai mis plus bas, c'est mieux, hein. Ça tremble moins. Ouais. Là, vous avez les secousses que de la voiture. Pas du sol. Enfin, bref. Que dire de plus? Il fait moche, ça me saoule. C'est bizarre parce qu'hier il faisait super beau. Il fait 21 degrés, il fait moche. Hier il faisait beau, mais t'as vu, tu râlais parce qu'il y avait du vent. J'ai pas vu sur la chaîne météo qu'il y avait de la flotte. Mais en vrai, ça a peut-être changé. C'est le sud qui nous ramène la flotte. Vu que soi-disant on habite dans le nord. Il a plu un petit peu là. Bah, on habite dans le nord. Ouais, on habite dans le nord. Mais c'est pas le nord-nord, Nord-Pas-de-Calais. Dans le nord. Dans le nord, ils ont chaud aussi, pareil. Ouais, ils ont chaud. Ouais, le flasher. Bip de flasher de. Ouais, vivement qu'il les retire ces merdes-là. Là. Ouais. Et ils ont installé, vous savez, les nouveaux, ce que je vous avais dit, qu'ils allaient les percher à 4 mètres de hauteur. Mais c'est ouais, pas 4 mètres, c'est 2 mètres. Là. Ils se font déjà arracher. C'est pas mal, hein, on se fend la gueule. C'est bien, les mecs qui ont inventé les meuleuses avec batterie. Ça se coupe tout seul. Ça se coupe tout seul. Il suffit que tu rentres dedans. Oui, il suffit que tu rentres dedans. Pas le dire, on dit pas ce qu'il faut faire pour les arracher, c'est pas bien, sinon YouTube va nous bloquer avec ces conneries. Qu'est-ce que t'as à regarder? Ça s'appelle une citerne. C'est des cailloux, mais des fois ils sont pas les cailloux, c'est ça? Je non, c'est ça. Pas des cailloux, c'est parce qu'il a ouvert ses trappes en haut. Elle est blonde. On repassera tout à l'heure, tu verras, elles seront fermées. Ah non, c'est pas, c'est pas moi qui conduira, j'ai pas le droit de conduire aujourd'hui. C'est des oiseaux, je suis sûr. C'est Shabbat pour moi, j'ai pas le droit de conduire. C'est bien que ça change. J'adore rouler. Ah oui, c'est le début, c'est normal. Au début. 4 ans, bientôt. Oh, pas encore. Non, pas encore 3 ans. Ouais. T'es jeune. Je suis jeune, je suis quand même plus vieux au niveau de l'âge. Arrête. Pas du permis. Ah. Non, ça c'est vrai. Bon, et ben on va se retrouver tout à l'heure. Je dis pas plus, hein. Parce que sinon c'est de la triche. C'est une surprise pour tous. Et même pour nous, c'est une surprise. Enfin, nous, on connaît la personne hein? De loin quoi. Là-bas et elle aussi. Il y en a, ils ont dû deviner, hein. S'ils ont bien suivi, normalement ils ont dû deviner. Ouais, logiquement. Je crois que tu l'as dit, en fait, ça. Je l'ai dit, je l'ai avoué. Je crois, ouais. Ah, il y en a une, je crois qu'elle a été refaire exprès le live. Oh, j'ai donné un indice en plus, dis donc. Oh la vache. C'est bien, le vlog il va dans 2 semaines. Dans 2 semaines, vous... Non, pas dans 2 semaines. Si dans 2 semaines. Ah si, j'en ai encore 2 à mettre devant. Ah, il y en a un qui est en route, là, je sais même pas. Ouais, mais là c'est stupide de le mettre aussi tard. Là tu devrais le mettre en avant, celui-là. Bah je verrai. Non, je vais mettre toi en même temps. C'est long à faire les deux. Ouais, je sais bien que c'est long à faire. Une journée, hein. T'es en vacances, t'as le temps. Ouais, mais j'ai autre chose à faire aussi. C'est-à-dire? La paperasse, tout le bordel. Oui, la paperasse, on a du boulot. Ranger la chambre à Alexis. Du boulot. Non, c'est pas ranger, c'est trier la chambre à Alexis. Ouais, Lydie, il faudrait qu'on y... dans la chambre Alexis, il faudrait qu'on y aille à la pelle à neige. Parce imaginez-vous le bordel. Il a rangé, mais il a rangé en jetant. Ouais, il jette tout.
tout retrier, savoir ce qu'on doit garder pour lui. Il est trop petit maintenant, il faut que je trie. On a du boulot. Ouais. Il te reste une semaine après. Ouais. Ça prend 3 jours, rien que ça. Ouais. Il faut vider toute la chambre. Vider toute la chambre, trier, remettre ce qu'il y a besoin, et tout le reste enlever. Ben, il n'y aura plus rien dans sa chambre. Ça va faire du tri. Ça fera épuré. Ça sera épuré dans sa chambre. Bon, allez, on vous reprend tout à l'heure. Et vous aurez la surprise de la personne. Allez, on bisous. Voir la météo en passant. Ah bah je vous fais un time lapse comme dirait Romain. Time lapse. C'est pas comme ça un time lapse. Mais non, le time lapse c'est. C'est un arrêt. On accéléré. Ouais c'est ça. Et moi je suis pas super youtubeur. Bah, allez, on va reprendre tout à l'heure. C'est flou. Ouais, tu vois le fort. Carrément, c'est incrusté. Mais ils m'ont ramené du KFC. C'est KFC quoi. Avec des frites, quoi. Sauter les sauces picantes. Mmh. On n'a pas trouvé les piquants. Non. On va avoir mal aux fesses, mais ouais, on n'aura pas mal aux fesses. Moi, j'ai mal aux fesses. Moi aussi. Moi, je mange plus. Moi, je suis mal aux fesses. T'as vu pour toi. Attends, je cache la marque. Donc voilà, on passe un bon moment pour le moment. C'est clair. Ça va, ça se passe assez bien. C'est clair. Que dire, c'est calme. Il n'y a pas de bébé. Voilà, c'est calme. Les dodo, ils font tous dodo. Voilà, tous dodo. Pour le moment. Ouais. Et je fais du café. Ouais. Du café bio. Du café bio. On va pas, du côté où il faut pas, quoi. Non, là-bas, il coule. Il coule. Cool. Ouais, parce qu'en fait, Mère Piotte, elle mange pas. Elle ne boit pas de café. Son petit chéri non plus, il ne boit pas de café. Ils n'aiment pas le café. Je fais du café, c'est pas pour. Que pour nous, elle fait du café. Elle a du bol. Hein. Donc voilà, c'est tout. Allez. J'ai acheté cette eau. je vais faire un haul. Je vais faire un haul éco. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Non. Non, je sais pas. Très bonne idée. Non, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Pas que nous. C'est la mère plus vieux. Et oui, et bah, il fait beau, hein, franchement. Moi, j'aime bien. C'est sympa, ouais. J'achète. J'achète. Non, c'est bon, on a déjà acheté une fois, pas deux fois. C'est bon, ça ira. Bon, allez, on vous laisse. Ouais, on vous embrasse. Bisous à tous. Bisous. Hello, on est jeudi soir. Aujourd'hui, on a été faire un petit tour, on a été voir Piotr. On a eu une belle rencontre. C'est une dame formidable, hein. Comment t'as eu du mal à le sortir? Non, ouais, je cherchais. La mère Piotr, bah, ça reste la mère super Piotr, en fait. Ouais. Non, c'est... Franchement, c'est une bonne personne. C'est une personne humble et très bien. Rien à redire. Et il fait pas beau, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais franchement, voilà. Plus, il fait pas beau et il fait chaud quand même parce qu'il fait 27, je crois, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Il fait lourd là dehors. Je sais pas si ça va péter, mais bon, ça va péter. Donc voilà, on va aller faire à manger, hein, peut-être. Hein. On va faire la barbecue. Barbecue, coucou. On voit pas avec l'écran là, ça me saoule. C'est normal, j'ai une lumière. Ouais, t'as une lumière, hein, toi. J'éclaire trop. Bah allez, on vous reprend tout à l'heure. On va dire des conneries, c'est pas interdit.